très sympa la Martinique. C'était trop bien. Et on a été utile. Mano para esta paz, lo miserable del tiempo, cara para aguantar la lluvia y el pavimento, ojos para descubrir lo que chuza el sentimiento, rachas lo que no tengo, si fuerza para seguir. Alele. We are experiencing technical difficulties. Please stand by. Para seguir, alele, alele, para, alele, alele, para. On mange bien, hein? On mange sain. Ah ouais, on mange vraiment sain. On est combien aujourd'hui? Je crois bien qu'on est le 11 avril. 11 avril. On a dû rebrousser chemin avant-hier à cause d'un problème électrique et on a eu une aide inespérée d'un excellent électricien local qui nous a permis de repartir aujourd'hui, lundi 11 avril, en bonne condition. Le bateau va bien et on devrait arriver à Panama d'ici 8 à 10 jours à peu près. La Martinique, ça s'est super bien passé. Après Roots of the Sea, on a rencontré le projet Waliwa et l'association Assomer qui restaure des récifs coralliens. Je suis Chou Candice, 7e adjointe à la ville de Saint-Cloud et je pilote le projet Waliwa. C'est un projet qui vise à concilier l'activité humaine et la préservation de l'environnement en assemblant en fait tous les acteurs du milieu pour agir pour sa conservation. Le projet Waliwa a démarré d'un constat qui venait des pêcheurs de la ville de Saint-Cloud, qui est la raréfaction d'un poisson. Ce poisson, le Waliwa, qui est un mérou. Et en fait, ce poisson est un poisson territorial. En constatant la raréfaction de ce poisson, on a fait des études, on a fait des recherches, on a fait appel à plusieurs personnes pour savoir ce qui se passait. Et donc, on a constaté qu'il y avait son environnement, son habitat qui disparaissait et à certains endroits qui avaient complètement disparu. Et donc, il fallait y remédier. On a fait appel à des experts pour pouvoir reproduire cet habitat qui est le corail. Et donc, de là est né le projet Acropora qui parle du projet de la ville de Saint-Cloud. C'est ça, et l'un des buts phares du projet Waliwa, c'est justement d'intégrer le citoyen dans chacune des actions pour que le citoyen s'approprie en fait son environnement et ait envie en fait de s'impliquer pour sa préservation. Et donc on veut créer une sorte de culture Waliwa chez le citoyen. La Sommaire a fait des bouturages de coraux afin de pouvoir recréer cet habitat qui est la base de l'habitat du Waliwa. Et donc reformer ces coraux qui sont tellement beaux aujourd'hui depuis 2017 qu'on n'arrive même plus à mesurer certaines branches. Donc du coup, c'est le signe que tout va bien et qu'on peut continuer. Donc on a de nouveau fait appel à eux.
mousqueton, on la transfera, je pense, au niveau du nouveau dôme. Bonjour, alors moi c'est Amandine, je suis directrice de l'association La Sommaire. On est une association de protection du milieu marin et de diffusion de la connaissance. Et donc en décembre 2019, la commune de Sainte-Luce nous a autorisé à installer donc trois dômes à trois endroits de la caille de Sainte-Luce, donc le récif corallien, hein, c'est ça la caille. Et donc on a pu réimplanter comme ça trois dômes sur lesquels on est venu donc transférer l'ensemble de nos boutures. En fait, le bouturage, c'est une propriété de ce corail qui en fait est souvent très cassé à cause des houles et donc finalement se fragmente. Et le fragment n'est pas mort. Et donc en fait, on utilise cette propriété. Donc on vient, on fait les jardiniers des mers, on coupe une branche et puis cette branche, ben, on va la laisser se redévelopper. Alors il y a à l'heure d'aujourd'hui 16 espèces de coraux protégés sur toutes les îles de Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin. Sur ces espèces-là, la problématique, c'est qu'on ne sait pas toutes les régénérer. Donc pourquoi on travaille spécialement avec l'Acropora ? C'est parce que l'Acropora nous permet vraiment de, grâce à ses propriétés de croissance rapide, de pouvoir du coup vraiment faire ce travail de bouturage, de fragmentation, ce qui n'est pas forcément possible sur les autres espèces. Comme dans beaucoup de milieux tropicaux, il y a surtout trois écosystèmes marins qui sont très très importants. Ça va être les mangroves, qui sont plus connues maintenant. Il y a l'herbier et le récif corallien. Le récif corallien, c'est encore une fois un autre habitat, un milieu de vie exceptionnel qui est très riche à la fois en coraux, en éponges. Il abrite aussi un tas d'algues calcaires qui viennent consolider le récif, très important. Et donc en fait, tout ce milieu-là fait qu'on a un habitat privilégié pour une multitude d'espèces, que ce soit des poissons, que ce soit tout ce qui est crustacés, oursins, des mollusques. Voilà, enfin, on a une multitude de vies et de couleurs dans les récifs. Alors oui, malheureusement, ils sont menacés, ça on le sait. Sur les dernières études récentes de l'IFRECOR, entre autres, je crois qu'il y a plus de 70 ou 80% des récifs qui sont dégradés en Martinique. Donc c'est quand même très très conséquent. Les récifs en bon état sont du coup peu nombreux. Et les menaces principales vont être toutes les activités humaines que l'on va retrouver, alors particulièrement à terre, mais aussi en mer, avec par exemple la problématique des ancres, de bateaux, de mouillage. Les premiers dômes, ils ont été installés donc en décembre 2019. L'intérêt, donc, c'était aussi de voir si finalement ce corail pouvait se réacclimater à cet environnement. Donc a priori, on a réussi à supprimer la menace qu'il avait éradiquée à l'époque, donc c'est plutôt encourageant. Après, on sait très bien que ça ne sera pas suffisant pour restaurer l'écosystème récif corallien de la caille de Sainte-Luce. Il va y avoir vraiment besoin d'aller plus loin. Là, c'est une action parmi d'autres. Et je crois que la commune de Sainte-Luce l'a bien réalisé et que c'est aussi pour ça qu'ils ont ce projet plus global, le projet Waliwa, dans lequel, en fait, finalement, on n'est qu'une action parmi d'autres actions. L'important, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de voir que là, on travaille sur une espèce, c'est plutôt ce qu'on appelle à titre conservatoire. C'est-à-dire que si on ne faisait pas ces travaux, un jour la colonie mère vient à disparaître sur le seul site de la Trinité, on perd définitivement cette espèce. Donc on fait ces travaux-là pour ça, dans un premier temps. Après, ce n'est pas ça qui va sauver le récif. Par contre, on s'en sert vraiment beaucoup de support pédagogique pour faire découvrir, pour faire connaître, pour faire aimer. Et après, on l'espère pour que du coup les gens soient
plus conscient et plus respectueux. Du coup, l'idée de travailler sur une espèce, c'est important et intéressant, et on le voit, il y a quand même un retour d'une population de poissons autour. On voit que ça apporte de la vie. Mais un écosystème, c'est pas une espèce. C'est comme si à terre, on a de la monoculture, on voit bien qu'il y a une tempête, et ben malheureusement, des fois, tout est décimé. Donc là, on peut prendre le parallèle. Si jamais on a de nouveau une menace, que ce soit une tempête, un cyclone ou une maladie qui vient donc détruire notre espèce, eh ben on aura tout perdu. Donc là, l'idée, ça va plutôt être de réussir à diversifier les espèces, peut-être de travailler aussi avec les espèces associées. Il y a de plus en plus de projets où il y a des oursins ou des herbivores qui vont être réintroduits en même temps. Et ça peut vraiment devenir intéressant à l'avenir de faire des solutions multi-espèces, on va dire. Nous sommes le vendredi 15 avril, nous sommes à 4 jours de l'anniversaire de deux personnes très importantes. Tout d'abord la maman d'Anatole, qui en fait un coucou, et moi-même, votre humble serviteur. Honnêtement, j'ai l'impression qu'après la transat, et surtout après le Gascogne, ça va. On a toujours un peu de houle, mais honnêtement, je m'attendais à pire, et puis surtout c'est tellement plus rapide. Là, on est quasiment à mi-chemin, donc c'est assez satisfaisant. Donc, on va assister au briefing, qui est une de mes responsabilités à bord, car je ne fais pas que faire des gâteaux et faire des blagues. Donc, on a rendez-vous tous les jours à 11h, ici même, pour un peu discuter du bateau, enfin de la vie intérieure et de la vie extérieure du bateau. Donc, la vie intérieure, c'est le moral, les tâches de la journée, donc cuisine, vaisselle, rampe de sécurité et rampe de nettoyage. Et activité, si on a des choses prévues. Et ensuite, on parle de la vie extérieure, mais ça, c'est Pascal qui s'en occupe. On fait un point un peu sur la navigation et ce à quoi on peut s'attendre en termes de vent et de houle, même si bon, on a appris à être patient et à pas forcément prendre pour un jour comptant toutes les anticipations météo. On est le mardi 19 avril, il est, je sais pas, 1h30 du mat, et on va dire enfin adieu à l'Atlantique, après même pas 8 jours de traversée depuis la Martinique. On a traversé la mer des Caraïbes dans des très bonnes conditions, sans aucun flibustier, mais avec pas mal de vent, donc trop bien. Et du coup on arrive au Panama, voilà, enfin. Demain, on rencontre déjà la personne qui va nous aider à faire toutes les démarches pour passer le canal. Et on espère passer le canal dans les 10 jours qui viennent. Ce qui nous permettra de poursuivre ensuite gentiment vers le Costa Rica où nous attendra notre prochaine rencontre. Voilà, donc on est très très content d'arriver. Et voilà. En tout cas, ouais. Ça fait plaisir d'avoir une navigation qui se déroule bien. Ça, c'est chouette.
Thank you.